Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler argent. Comment dit-on argent en kabyle ? Idrimen, qui vient du grec drachme et qui a donné dirham. Argent s'appelle aussi en kabylie isourdien. Isourdien, ça vient du latin solidus qui a donné sous en français. Actuellement, en Algérie, nous avons le dinar qui provient du latin denarius. Dans une note de mon grand-père rédigée en 1936, mon grand-père Slimane Rahmani, j'ai trouvé des éléments extrêmement intéressants que je vais vous soumettre. Voici donc le tableau des monnaies utilisées en Kabylie au début du siècle dernier. Je serais bien incapable de vous expliquer toutes les différentes appellations de monnaie utilisées en Kabylie au début du siècle dernier. J'ai trouvé quelques explications. Par exemple, Tamouzunt, qui vient de Mouzouna, une monnaie marocaine en cours au 19e siècle, et avant même. Le rial, il y a plusieurs rials. Il y a le real d'origine espagnole et il y a le rial, un mot d'origine persane. Il y avait deux rials en cours en Afrique du Nord. Le rial Hassani au Maroc et le rial tunisien. Au tableau que je vous ai montré, vous avez la correspondance en francs de toutes ces monnaies. Nos jours, on utilise certaines unités monétaires telles que le duro. Alors le duro, ça vient de l'espagnol duro, qui veut dire dur. Duro, à l'époque coloniale, ça valait 5 francs. Cette pièce de 5 francs valait 1 duro, 1 duro ou 100 sous. Et l'on compte toujours en duro sur les marchés, 5 duro, 10 duro. On parle toujours de sourdi. À sourdi, ça vaut 1 sou. Et 100 sous, ça valait, du temps de la colonisation, 5 francs. Comme vous pouvez le constater, les habitudes anciennes ont du mal à disparaître. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est attaché en quelque sorte à notre passé. Et d'ailleurs, actuellement, en Algérie, on est toujours en ancien franc. C'est-à-dire que 2 millions, ça veut dire 20 000 dinars. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les appellations de la monnaie en Kabylie. Et si vous avez des informations sur ce qu'était la Ziani, par exemple, eh bien, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.